Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Evil Within. Evil Within. Ouh, il y avait la Laura là. Oui, je ne sais plus jouer. Oui, parce que tous les jeux en troisième personne ont des contrôles différents. Donc, évidemment, quand je passe de l'un à l'autre, je suis totalement perdu comme d'hab. Je fais E pour ramasser les objets alors que là c'est espace. Bref. Mais pourquoi je peux pas passer là, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, faut peut-être tirer là-dedans ou... Ah oui. Oh, comment je suis trop intelligent. C'est magnifique. J'ai tout de suite repéré ce qu'il fallait faire. Ça pue le monstre. Ça pue le monstre. Est-ce que... Oh, mon dieu, bien que je peux fuir. Attention! Explosif. Attention. Oh, mais ils mettent des explosifs tout... Ah, mais je dois peut-être la combattre là, non? Ah oui, mon mec, il est épuisé maintenant. Espace! Attendez, y'a peut-être moyen de l'éviter, non? Oh punaise, elle est là. Ouh. Non! Je viens de quel côté? Coucou, je suis là. Voilà, comme ça, c'est plus un problème déjà. Mademoiselle? Mademoiselle, vous êtes où? Ah, bonjour, bon ça va, elle est genre on ne peut plus lente. Évidemment, les flammes qui mettent 10 minutes à s'arrêter, parce que vous savez, c'est un système très perfectionné, à la pointe de la technologie. Ça va quoi, elle est hyper lente. Je suis peut-être censé la combattre, non? Ah, bah non, je peux passer, eh. Oh, eh, oh, oh, oh. Regardez, je prends même le luxe de. Oh, punaise! Monte! Surtout, te dépêche pas. Mais ça se trouve, je dois la combattre, hein. Je vais... Oh punaise, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça va, elle marche lentement et tout. Je vais peut-être activer du feu ou je sais pas quoi. Je suis mort. Bah, moyen, à mon avis, il y a moyen de... Il y a moyen de l'échapper. Bon, il faut que je recommence 2 minutes et demie de gameplay. C'est magnifique. Non mais ce qu'on va faire, c'est que on va préparer. Je sais plus jouer parce que voilà. Voilà, on va faire des. Ah, je sais pas si j'ai assez en fait. Non mais je peux pas. Ok. Non, mais ça marche? Non. Bon, je ne sais pas. Allô, je vais quitter. Merci. Voilà, ça doit bien l'électrocuter, non? On recommence. Oui, je sais, elle arrive, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, ça ne meurt pas. En fait, je compte l'électrocuter pour l'empêcher de me tuer. Juste après, histoire de pouvoir ouvrir le truc tranquillou. Ah tiens, il y a de la vie là. Bonjour, ne faites pas attention à moi. C'est arrêté. Je vais même prendre le luxe de me soigner. Voilà, ça ne sert à rien parce qu'elle me one-shot dans tous les cas, je sais. Censé être tranquille. Bon, ça ne servit à rien. Ah mais si, ça a servi. Hey, vous avez vu ça? Un petit peu. Parce qu'en plus, je n'ai plus trop de grenades. Non mais là, elle a légèrement accéléré le pas quand même, hein. Elle fait le tour quoi. Elle croit me mindgamer. Attention! La vache, elle se jette sur moi quoi. Oui, je suis beau, je suis irrésistible, mais bon. Là, on court un petit peu. Ah, non! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Woot! Dites, c'est moi ou j'ai brûlé affreusement hein? Je vais affreusement brûler, monsieur. Ah non, là. Ouf. J'ai retrouvé la valve. Espace utilisé. Ah oui, pardon. J'ai envoyé un petit checkpoint, là, quand même. Histoire de faire genre... Ouf. Oh, un checkpoint. C'est magnifique. Oh, punaise. Oh non, s'il vous plaît, pas des trucs qui marchent au plafond. Tiens, t'aimes ça, hein.
Bon, allez, bouge-toi les fesses, là. Eh, grouille-toi. Bon sang, mais elle fait rien, quoi. Parce que... Oh, punaise, elle a paru à côté de moi. Oh, non, pitié. Oh, faut encore courir et tout. Noop. Attendez. Bonjour. Viens par là. À mon avis, on n'est pas obligé de la tuer, parce que sinon, il nous ferait pas wait, attendre. Voilà, parce que moi, je parle franglais. N'est-ce pas? Parce que je suis très... très strong. Attendez, faut attendre qu'elle attaque, là, parce que... Où est l'interrupteur? But where's the interrupteur? Wait a minute. Oh, j'ai trouvé. Wouh! Non! Économise. Attendez, elle est en mode course, Coucou! Genre, t'es trop lente! Mais c'est quoi cette vitesse, quoi? Mais que nenni! Tu ne me toucheras point! Va, je te déteste! Genre voilà, Sébastien qui a parfaitement le temps de regarder combien il lui reste de ball. Mais rassurez-moi, j'ai bien changé de truc là, non? Ça a pas l'air de faire grand chose ce que j'ai fait. Attendez, y'a un bug. Ah mince, y'en a un autre là. Non, on ne se téléporte pas! Y'a encore un là. Ah voilà, c'est bon. Out. Dépêche-toi. Fou quoi. On sent, mais ça n'en finit pas. Mais bébé cul. C'est quoi ce niveau de... Ah là, attention. Bouge. Ouais, brûle, saleté. C'était complètement... Il a disparu, je ne sais pas où. Mon dieu, elle va par la gauche, par la droite, je ne sais pas. Ah, ça ne s'utilise qu'une fois, d'accord. Oot. Là, il sort un gros truc de feu, mais ça n'a pas marché. Punaise, mais c'est quoi ces tout petits poteaux, quoi? Et je fais quoi, moi? Noop. Ah, y'a un interrupteur là, j'avais pas vu. Noop. Oh, pitié. Pff, non mais qui met des explosifs ici, quoi? Oh, les bouches tes boules, les bouches tes machins là. Pas de boules, mais c'est pas grave. Vas-y, fais ton super truc de téléportation. Non, pas ça. Cette esquive de malade. Ah mais ça a légèrement ouvert le truc. Là je peux pas passer, attendez. En fait ça ouvre ça, du coup c'est très chiant, vous voyez, parce que je ne peux pas passer. Non. Interdit. Oui, échappatoire. Ascenseur. Oh, j'ai réussi. Non, attendez. Ah! Mon dieu, mais elle a un vrai visage. Oh non, elle va perdre ses bras. Oh là là. A-t-elle vraiment perdu ses bras? Je ne sais pas. Je l'ai quand même un peu explosé déjà deux fois. Ça n'a rien fait. Oh là là. Genre elle est même pas morte en plus. On va nous la remettre encore plus loin. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Je sais qui tu es. Seb. Je
suis une marque d'électroménager. Je m'en voulais pas. Je sais ce que tu désires, ce que tu crains. Pourras-tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire faire? Ce pauvre Joseph n'a pas pu. Il n'a pas pu quoi? Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. Oups. Alors ça, c'est un truc que j'aime pas dans les histoires des jeux vidéo, parce que généralement ça arrive pas trop dans les films, c'est surtout dans les jeux. C'est, vous savez, c'est le méchant qui vous tue tout au long du jeu, c'est-à-dire vous foirez des actions avant, il vous tue, voilà, comme quand il me poursuivait dans je ne sais plus quel chapitre, il me tuait dès que j'attrapais, et là il a l'occasion de me tuer et il ne me tue pas. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce que avant il aurait pas fait pareil? Voilà, il aurait pu deux chapitres avant au lieu de me tuer du premier coup en se téléportant devant moi, mais il aurait pu me faire exactement le même dialogue qu'il vient de me faire là en fait. Voilà. Mais non. Monsieur préfère je sais pas quoi. Et comme par hasard, ça tombe scénaristiquement bien, il veut nous tuer après du trop. Donc on parle. Merde, je suis revenu là. Oups. Voilà, je parlais de ce niveau en fait. Il y avait une sauvegarde là. Tiens, il y a un fragment de carte là-dedans. Entrez. Et c'est fermé. Je pense que tout est fermé en fait. Tout est fermé. Mais pourquoi? Ah, on va peut-être passer avant que la bête nous... Enfin, non, c'était il y a longtemps ça, non? Attendez, il n'y a pas des... Et puis là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien quoi. Il y a juste le doux son de ma voix. Et on est revenu ici. Pourrais-je avoir un checkpoint, please? Il ne semble pas avoir eu de checkpoint depuis le... Le Lara. Le Laura. Quelqu'un qui tape un truc au clavier. Mon dieu, mais c'est Ruvik! Ah mais non, c'est Leslie. Suis-je bête. Et mec, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ouais, d'abord. J'essaie de nous sauver. Vraiment. Parce qu'on dirait plutôt que vous essayez de faire un autre monstre. Je n'ai pas de temps à perdre, inspecteur. Écoutez, je suis illuminé. Vous ne pouvez rien contre ma connaissance. Leslie a survécu à cela. Avec succès. Il a déjà été connecté à Ruvik. C'est un cas unique, à ce que je sache. Merveilleux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Il est la clé, inspecteur. C'est notre seule issue. Oula. Le panneau de commande s'est chargé en temps réel devant nous. Oui. Ça fonctionne. Mais oui. Mais c'est bien sûr... Ah, c'est peut-être le réel endroit où on est. Je sens bien que c'est le vrai endroit. Genre le monde réel. Et vous voyez, on est tous... Oui, ça fonctionne. On est tous dans une petite capsule. Comme on avait Joseph dedans, une espèce de baignoire. Mon dieu, on est réveillé du coup? Non, regardez, on est toujours dans cette espèce de monde totalement pourri. Leslie, est-ce que ça va? Mais pourquoi? Pourquoi ça va pas? Il faut changer l'algorithme, Doc. C'est quoi ce truc? Oh non, pitié, pas cette bête. Bon, ça va aller attacher. De pauvres chaînes. Bien sûr. Bien sûr, mais oui, ça m'inspire. Vite. Oh non, il va mourir. Il cherche la même chose que nous. Il veut s'échapper? Il veut s'échapper. Oh, j'ai pas envie de ça dans le monde réel. J'ai été happé par un mur, monsieur. Point de contrôle. Oh, mais ça a l'air propre ici, dis donc. Tout va bien, je vais bien.
Coucou. Eh, c'est sympa ici. Non? Ah, ah, une grosse fiole verte là. C'est pour moi. Hé, je sais que vous êtes là. J'attends une sauvegarde là. Écoutez-moi, ma chien. Il a la sauvegarde, le mec? Bonjour, excusez-moi. Moi, je me suis directement téléporté là où je voulais. J'ai pas eu besoin de prendre cet affreux miroir. Attendez, je vais faire une sauvegarde parce que je me suis déjà fait avoir une fois que je pouvais pas sauvegarder. Ok, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur, là? Excusez-moi. Hey, fais pas de bruit, ici. On reste prisonnier en silence, s'il vous plaît. Rubik doit être fou de... Ah oui, c'est apparemment le mec un peu qui sait ce qui se passe. J'aurais jamais cru ça de lui. Stem. Oh, il est près du but pour couper tous les liens avec le passé. Tout ce qui lui reste, c'est sa connexion au présent. Au Stem original de l'hôpital. L'hôpital? L'hôpital psychiatrique Beacon? Il sera là. Il l'attend. Lui. Quelqu'un n'y arrive pas en premier, il n'y aura pas d'issue pour personne. Merci beaucoup de votre information très pertinente, monsieur. Je vous... Vous mais empestez le sang. Mais c'est toi qui empestes le sang. Bon, cette sauvegarde va terminer notre épisode. Et j'espère qu'on va pas encore me resservir la Laura dans deux chapitres, là, hein, parce que ça commence à bien faire. Elle a deux bras en moins. Enfin, avant, je l'avais un peu explosé entièrement, mais elle est revenue quand même. Donc, deux bras en moins, voilà. Hein. Bon. Bon ben rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et bien plus.